Du coup, le prochain challenge, Miranda, maintenant qu'elle est enceinte, se retrouve avec 7 bambins. Et oui, là, il fallait. Oh l'enfer. Ouais. Quel enfer. C'est un peu l'enfer. Oui, c'est les services sociaux, c'est ça? C'est les septuplés, bien sûr. Alors, le challenge s'appelle Goût des Enfers Challenge. C'est une save avec Miranda, donc voilà, que ça vous serve de leçon. Seven Toddlers Challenge, c'est la merde pour Miranda. Fichier de sauvegarde imposé, bien sûr. L'objectif, c'est de ne pas se faire enlever ses bambins par la DAS. Donc, est-ce qu'ils les enlèvent tous en même temps ou c'est un par un, en fait? Non, c'est vraiment un par un. Donc, sachez que j'ai déjà avancé cette save et que vos bambins, quand vous allez rentrer dans la game, sont absolument tous morts de faim et très fatigués. Donc, il va falloir être réactif, il va falloir subvenir à leurs besoins afin de ne pas vous faire enlever votre gosse par la DAS et la pause est évidemment interdite. Voilà. Miranda est très fâchée en plus, invisiblement. Et Miranda déteste les enfants, elle est méchante, pas le droit à la nounou non plus. Oh my god! Une petite précision. Domi, ça a pas commencé, hein? Non, quoi? Non, mais je te vois. Hein. Oui, bien sûr. Tu commenceras avec 5 secondes de retard. Vous êtes tous prêts? Trivia, ouais. Oui. 2, 1, c'est parti! Ouais, j'avais oublié. Je commence, moi, ou pas? Commence, Domi. Ah, je peux commencer, ok, super. Oh, il est chou, m'attendait. Il a vraiment respecté le jeu. Ouais, ouais. C'est là je pensais qu'il allait lancer quand même, mais... PA, il est fort. Alors, on rappelle que les enfants sont affamés et sont surtout, en vérité, très fatigués. Donc là, l'objectif, c'est coquiller le jambon et un coup de main sur la nuque immédiatement pour faire en sorte que, boum, dodo. Pour l'instant, le but, clairement... Ma maison prend feu. Ah, comment ça? Pas déjà, c'est pas vrai. La maison prend feu! Les 7 enfants qu'il avait pourtant... Alors là, c'est pire que tout, parce qu'il devait partir avec Lada, c'est survivre. Ils vont rester avec la maman et mourir. Oh mon dieu, mais c'est une catastrophe. T'es une mère indigne. Et le sens des priorités, on va prendre maman directement dans les bras. Je sais pas pourquoi. En tout cas, alors les gamins sont pour l'instant en train de se changer pour aller au lit. Il y en a 2, 3. La mère est exténue. Elle s'est assise sur son enfant qui dormait. La priorité étant vraiment de donner à manger aux enfants. Une fois que t'as donné à manger une première fois à tes enfants et que tu les as couchés, ils vont mieux et c'est gagné. Genre tu pourras plus jamais reperdre au cours des 10 minutes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, en gros, c'est un clutch au début et après, ben après, c'est bon. Oui. Une fois que t'as win en fait. C'est, on le voit dès le début. Donc la petite astuce que je leur ai pas donnée parce que je trouve ça un peu simple, c'est de servir le dîner et de mettre l'assiette du plat par terre et les gamins en fait se servent tout seuls. Oui, c'est raccord. Ouais. C'est raccord. Tu leur pas besoin d'une table. Les enfants n'ont pas de normes sociales. Manger par terre, sur les genoux, en faisant un poirier, ils s'en cognent. Ouais. Ils mangent. Ponce, j'entends qu'il se passe des trucs. Ah non, je crois que c'est Alpha qui lui parle. À tout moment, il y a un enfant qui se fait enlever par la DAS. Alors Xari, qui on vous le rappelle est un spécialiste du meurtre et qui doit soudainement s'occuper de 7 enfants. En plus Miranda, t'as vu, elle est en colère, elle est en train de hurler sur la peluche là. D'accord, donc elle devient folle. Ouais. Elle devient 100% folle, hein. C'est genre elle se trompe, elle a 7 gosses, elle va gueuler sur la peluche. Ouais. Va bien. Ouais. Là, ils vont venir bouffer tout seul. Ah voilà, ils lui ont donné la save. Je pense que ce challenge était un peu simple. En fait j'ai hésité, tu vois, j'ai mis pause sur la save. Dès qu'il y a eu le premier message, attention, la DAS va peut-être venir. Ah putain, et la DAS, il rigole zéro, hein. C'est les hommes en blanc avec M4. Donc il y a de quoi craquer. En tout cas il y a 6 gosses qui sont en train de dormir. Donc Xari, il y en a un qui est devant la télé en train de savourer du gully. Alors fun fact, les petits enfants c'est des streamers Mimi en bambin. Donc il y a Trini, il y a Jill, il y a Damdam, il y a moi, il y a Mintos, il y a Magla, voilà. Exceptionnel. Comment il s'en sort? C'est un peu la catastrophe. Alors pourquoi c'est la catastrophe? Là il est en train de faire un gâteau hamburger, ok. Mais qu'est-ce qu'ils lui disent de faire? Appel à l'aide. Mais quoi? Mais pourquoi? Il y a un problème. Bon, s'il y a un problème, je vois ton chat dire. Pardon, elle voulait pas faire à manger parce qu'il y avait une tâche qui bloquait en fait. Désolé. Ça arrive parfois quand ton sim a été trop mis en mode de vitesse 3. 93 balles. Merci beaucoup. Est-ce que Jill s'en sort mieux? Regardez l'harmonie de ce bambin dans sa capuche qui est en train de manger. C'est bien. Elle mange avec lui. Par c'est contre, c'est moi, Ultia Twitch. Pourquoi il a chié par terre le gosse? Il a vomi ou genre il a mis de la bouffe par terre, je littéralement crois. Il a chié par terre. Bon, ça a pas l'air de déranger la mère outre mesure. Elle évolue non, dans les miasmes. Okay. Ok, ça la dérange pas. Mais elle s'en occupe bien, elle est même joueuse. Mais je crois que Jill a gagné. Hein. Là, je pense pas que ça. Ouais, la DAS ne devrait pas pointer le bout de son formulaire d'exil de la maman indigne. Et oui, il manque un lit, hein, c'est fait exprès. Et c'est un battle royal. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis dit, c'est rigolo, mais bon, en vrai, ça va pas du tout les handicaper plus que ça. Bah, du coup, il y a un enfant qui dort par terre. Hein.
pauvre chat, regarde. Oh, il est mignon, regarde-le. À la fin, elle a envie de dormir. Je pense que tout le monde va gagner en vrai. Hein. Jean Massy est en galère. Alors, voyons voir. Oh là là, 300 francs par terre. La mère passe à côté en mode putain de gosse de merde. Elle va manger son meilleur porridge. Alors qu'elle mange. Oui, parce qu'il faut aussi s'occuper de la mère, tu vois. Donc, eh oui. C'est pas toujours évident. Hein. Fais le pire bébé. Ah mince, apparemment. Ah. Parce que j'ai mis tous les bonbons pénibles. Pénibles, ouais, ils ont des traits de caractère, tu sais. Il y a genre Angélique, curieux, machin. Je les ai tous mis pénibles. Mais moi, je pense que là, tout le monde s'en sort. Domi ajoute le lit. Bah écoute, j'ai dit qu'il pouvait s'en servir. Donc c'est bon, s'il ajoute le lit, ma foi, qu'il le fasse. Je pense pas que ça change de ouf non plus cette histoire. Je pense ne sait pas où est l'inventaire. Aïe, 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 aïe. Si la mère meurt, ah bah. Oh là, attention, il y a un enfant qui est en train de jouer avec une poêle. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'elle a fait avec la poêle? Mais faut certainement pas laisser une poêle traîner comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette mère indigne? C'est une catastrophe. Mais c'est parce qu'en fait, l'enfant est pénible. Donc du coup, elle fouille dans les placards. Elle fout vraiment la merde, quoi. Mais faut l'euthanasier, le gamin, en fait. Il y a cette gosse et l'autre, elle va chercher une poêle chaude. Alors, Xari, ça donne quoi? Xari, où est-ce qu'il en est? Oh, à la fin, mais elle est pas. Elle est pas fatiguée, donc ça devrait le faire. Elle parle à la peluche, hein, sans. À partir de maintenant, vous êtes obligé de mettre la vitesse 3. Hop. Voilà, c'est vrai, c'est une bonne idée comme ça. Elle a tout pété. Donc la mère a tout pété. En fait, je t'ai dit, elle pète les plombs. Elle était à deux doigts de taper encore la peluche. Ok, très bien. It's ok. Elle est saine d'esprit, tout va bien cette enfant. Non, on peut se douter que la folie la guette. Oh, elle joue avec son enfant, enfin. Des bribes de bonheur. Des bribes de bonheur, regardez. Vous savez qu'elle a vraiment la caractéristique déteste les enfants en fait. Hein. Chez Trivia, c'est le bordel. Ah ouais? À table, le gâteau est prêt pour Cindy, ça me fume. Est-ce qu'ils y arrivent? Elle a mis l'assiette par terre, hein. Mais non, elle s'en sort très bien. Il reste une minute. Xari qui est dégoûté parce que les enfants vont se réveiller. Il y a quand même Jill qui a très très faim ici. Il reste une minute. Excuse-moi, j'ai un enfant qui a disparu juste. Ah bah, il s'est volatilisé. Est-ce qu'il se serait pas fait enlever par la DAS du coup? Mais non. Non, il s'est vraiment, genre, il a fait des étoiles et. Ah bah, c'est ça, il s'est fait enlever par la DAS du coup. Ouais. Merde. Non, Jill, je suis désolée. Je suis une mauvaise mère, je le savais. Il reste combien de temps? Il reste 20 secondes. Vous êtes toujours obligé d'être en x3. Jill a eu un de ses enfants enlevé par la DAS. Voilà. C'est terminé, bravo. Bravo. Alors, Domingo, tu peux arrêter aussi parce que de toute façon, tu t'as bien géré. Donc, go, c'est bien. Merci. Jill, t'es la seule à avoir perdu un bébé? C'est pas grave. Je n'ai pas triché, ils m'ont retiré Magla. Oh là là, il n'y a plus Magla. Tu as dit stop à ce moment-là, ils m'ont retiré Magla. Au moment du stop, je vais pas mentir. Ah non, elle est là, elle est revenue, elle est juste sortie. Quoi? Mais non, elle est là, regarde la petite couette. Ah bah c'est bon alors, nickel, merci. Ok, il a les 7. Elle était où? Moi, elle était dehors. Elle est partie faire un tour. Je vais partir chercher des clopes. Franchement, vous avez géré cette challenge. Je regrette presque de vous les avoir donné avec aussi peu de besoins finalement. Ah non, Terra, merci, c'est gentil. Bon, on va bravo, en tout cas, vous avez trop géré. What the fuck?